Maître Gilles Devers, avant d'évoquer la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, j'aimerais savoir où en est votre plainte. Est-ce que la procédure avance comme vous le souhaitez? Mais la procédure, elle avance pas mal, surtout au rythme des juridictions et d'une juridiction internationale en particulier, vu qu'on est plutôt sur des rythmes lents. Ce qui se passe actuellement, c'est que, à l'inverse des autres procureurs, celui qui est en place a mis en œuvre une équipe qui travaille en urgence sur le dossier, c'est-à-dire qu'elle travaille maintenant. Alors, il y a beaucoup de critiques contre le procureur. Bon, ça, c'est très facile à faire et c'est pas trop mon problème. Mais je constate que les deux autres, quand il y avait des opérations militaires de ce type-là, ils ne faisaient rien. Ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme, qui est donc une subdivision en quelque sorte de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à Genève, désigne une mission d'enquête. Et on attendait 18 mois ou 2 ans pour avoir cette mission d'enquête. Et on arrivait à la Cour 3 ans plus tard où le procureur disait « j'ai pas envie de faire grand-chose ». Donc là, moi, je vois que les choses ne sont pas les mêmes, vu qu'il y a 3 personnes très compétentes qui travaillent sur le dossier. Et surtout, si elle travaille sur le dossier, c'est que il y a une mesure à prendre. Donc, s'il s'agissait simplement d'enquêter sur le génocide, on le ferait pas en urgence parce qu'il faudra bien aller sur place, faire des vérifications, entendre beaucoup de gens et ça va prendre du temps. Si une équipe travaille en urgence maintenant, c'est parce que on évoque des mesures à prendre. Et ces mesures, c'est quoi? Eh bien, ce sont les mandats d'arrêt que nous avons demandé dans notre plainte du 9 novembre, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre le ministre de la Justice et contre le responsable des forces militaires, voilà. Donc, actuellement, il travaille. On a eu 2 réunions. On est en train de préparer un dossier qui est un dossier de preuve. Actuellement, on ne peut pas se rendre sur place. Et vous avez un argument qui est opposé, qui est de dire on attendra pour l'enquête parce qu'on ne peut pas se rendre sur place. Donc, avec tous les avocats, on est en train de fouiller systématiquement tous les rapports de l'ONU, et l'ONU est une très grande organisation, que là aussi c'est facile de critiquer, l'ONU ne fait rien, en pratique elle travaille beaucoup, il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur place, et en allant sur les sites de ces organes incontestables, on arrive à refaire une chronologie jour après jour des victimes, c'est tout à fait impressionnant, mais également des attaques contre les hôpitaux, attaques contre les structures et le personnel de l'UNRWA, vous savez qui est la structure particulière pour les réfugiés palestiniens, la gestion de l'électricité pratiquement au jour le jour, la gestion de l'eau également, les transferts forcés de population, l'impossibilité de faire venir les aides alimentaires, enfin voilà le travail que l'on fait. Pourquoi? Parce que en bout de course, la justice, évidemment, il faut une procédure, il faut trouver une juridiction. Il y a des problèmes juridiques de fond à traiter. On en parlera pour la procédure engagée par l'Afrique du Sud. Mais il faut surtout des preuves. Et le sentiment d'avoir raison, la conviction sont des choses, mais il faut les preuves. Donc, actuellement, on avance sur ce travail de preuves. Et pour dire, par exemple, pour ce qui est des hôpitaux, moi-même, j'ai été très surpris du résultat de notre étude parce que on avait le sentiment de 2 ou 3 hôpitaux qui avaient attaqué, dont un qui avait été contesté. Or, on a trouvé 248 incidences sur les hôpitaux, c'est-à-dire des notes qui venaient des services de l'ONU, et avec des attaques, à peu près 185 attaques sur les hôpitaux, il n'y en a qu'une qui a été contestée par Israël. Donc, on a quand même un élément probatoire très, très important. Et quand vous avez attaqué 184 hôpitaux ou cliniques ou ambulances ou personnel de soins ou personnel de secours, c'est difficile de dire que c'est uniquement le hasard et qu'on est en train de lutter contre les terroristes, quoi. Donc, il y a un crime de guerre particulier qui est le fait d'attaquer des personnels civils qui sont sur des missions de santé. Eh bien, voilà un crime. Ce crime, il est largement endossé par le ministre de la Défense, le responsable des affaires militaires et le premier ministre qui se veut le grand commandement de tout. Et je pense que sur un terrain tel que celui-là, on a de quoi faire un mandat d'arrêt juste pour crime de guerre. Après, tous les crimes de guerre regroupés arrivent petit à petit à cette notion de génocide. Le génocide est plus difficile à accrocher, je dirais, surtout au niveau de cette procédure urgente qui nous permet d'avoir les mandats d'arrêt. Mais il y a un précédent jugé pour le président Béchir. Donc, c'est pas impossible. Voilà. En tout cas, on travaille déjà sur le volet crime de guerre qui est plus isolé. Et puis, on verra pour le regroupement. Mais c'est là qu'on fait le lien avec les deux procédures parce que
si la Cour internationale de justice, que je souhaite, rend une ordonnance d'ici la fin janvier en reconnaissant une présomption de génocide, évidemment que ça nous fait faire un bond en avant et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile pour le procureur de dire qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe. Oui, voilà, cette plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pourrait venir renforcer la vôtre. On y reviendra. J'aimerais aborder maintenant cette requête adressée à Mrs. Sather Waite, qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats sur la situation en Palestine. Vous êtes à l'initiative de cette requête qui a été adressée hier à cette rapporteure. 190 avocats français francophones ont également signé cette requête. Quels sont les éléments que vous lui avez rapportés et que vise cette saisine? C'est une initiative sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec ma consoeur et amie Claire Grandin, qui est avocate au barreau de Paris. Et au début, c'était venu parce qu'on a vu ce palais de justice, un très grand palais de justice qui a été construit à Gaza, un vrai palais de justice, qui était d'ailleurs un très beau bâtiment, financé par le Qatar, et qui était le palais de justice pour 2,3 millions de personnes, en sachant que, contrairement à toutes les idées reçues, il y a à Gaza, c'est certainement pour la population une des proportions les plus faibles de détenus. Il y a très peu de détenus à Gaza. C'est une société qui était équilibrée, contrairement à tous les fantasmes. Et ce palais de justice, il n'a pas été bombardé, il a été miné et détruit. Alors que les soldats étaient autour. Donc, on a déjà des photos où ils font la pose devant le palais de justice et ensuite ils le font exploser, réduire en poussière. Et donc, les avocats, quelques-uns, avaient eu quand même comme un cri de colère et étaient venus manifester devant le palais de justice en disant, attendez, on détruit, on en est où pour détruire les palais de justice? Et évidemment, on se dit que comme on est avocat, on ne va pas en rester à une manifestation. Notre métier, c'est de rédiger des actes. Et donc, on a effectivement rédigé cette requête au rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'indépendance de la justice et de la protection des personnels de justice, vu que dans la même logique, nous faisons le lien avec la destruction de la maison des avocats et donc de ses archives, et l'attaque du Parlement, vu qu'il y a un Parlement à Gaza, qui est le Conseil national législatif, où les soldats sont à l'intérieur en train d'humilier cette représentation. Pourquoi? Parce que s'attaquer non pas simplement au symbole comme un drapeau, mais au bâtiment qui représente la justice, c'est dire aux Palestiniens: mais vous allez quand même pas, vous êtes des Palestiniens, vous allez quand même pas demander à aller en justice. Mais depuis quand les animaux, ils ont des tribunaux? Voilà quel est le message. C'est-à-dire que la destruction de ce bâtiment, elle est en lien direct avec cette idée de destruction du peuple. C'est-à-dire qu'on leur dénie l'idée du droit. Voilà. Mais vous n'existez pas. Enfin, franchement, quand même. Voilà. Donc, et il fallait faire une démarche, et cette démarche, elle est très forte. Vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont manifestés. 190, Elle s'adresse à ce rapporteur spécial qui fait un travail de fond et qui prendra en compte cette démarche, qui verra ensuite la manière dont le traiter. Et cela se retrouvera évidemment dans tous les travaux du rapporteur spécial, qui a déjà pris position lui-même sur les questions du génocide, mais c'est également une grosse piqûre de rappel au barreau français pour lui dire: mais est-ce que les amis, vous vous réveillez ou non? Mais qu'est-ce que vous voyez un palais de justice qui est réduit en cendres et il n'y a pas 3 minutes pour écrire un communiqué, même de 2 pages, en disant qu'on ne fait pas exploser les palais de justice? Et Allons, allons, allons. Est-ce qu'il y a un soixantaine tel d'avocats, oui. aveuglement Une soixantaine pour que d'avocats a les été avocats tué. qui sont des spécialistes du droit, qui connaissent qu'est-ce que c'est que la justice, ne réagissent pas à la destruction d'un palais de justice, à la destruction de la maison des avocats, à l'attaque d'un parlement? Allons, allons. Donc, on est quand même atterré, je dois dire, par ce silence, en particulier du Conseil national des barreaux, qui devrait ouvrir les yeux. Alors, là encore, la Cour internationale de justice va être utile parce qu'elle va peut-être le rouvrir et aider à ouvrir les yeux. Mais cette focalisation sur cette diabolisation du Hamas et des actes du 7 octobre, dont juridiquement une très grande part laisse à prouver, à investiguer, à en cerner les responsabilités, ne peut en aucun cas justifier le silence sur un acte aussi grave que la destruction de ce qui représente la loi
dans une terre souveraine, vu que je rappelle que Gaza, contrairement au fantasme, est une terre palestinienne qui restera toujours palestinienne, qui relève de la souveraineté palestinienne et que Israël n'a jamais été que puissance militaire occupante et puissance militaire destructrice dans les jours actuels. Donc, on appelle à la communauté internationale pour dire voyez où ils en sont en détruisant les palais de justice, mais on en appelle aussi à notre profession en disant mais rebranchez le cerveau. Alors, on va parler de cette plainte. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pretoria demande au juge d'ordonner à l'État hébreu de cesser ses opérations à Gaza. Et l'Afrique du Sud, comme vous, considère que le caractère génocidaire doit être retenu. Donc, c'est plutôt pour vous, cette plainte, une bonne nouvelle. Et elle s'inscrit même dans ce processus, finalement, de fin d'impunité d'Israël. Exactement. C'est-à-dire qu'on va bien voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Un avocat, il fait preuve de conviction et il a de la langue, autrement on ne ferait rien, surtout qu'au départ l'équation n'était quand même pas très simple, donc on va tout à fait attendre et respecter ce que sera le délibéré des juges qui diront des choses, et on verra également ce qui se passera ensuite à la CPI, on verra ce qui se passera devant d'autres tribunaux, mais ce qu'on peut dire à ce jour, c'est qu'on est rentré dans le processus nouveau et que ce processus, c'est la fin de l'impunité. C'est-à-dire que de 1948 à 2024, c'est l'impunité organisée, notamment parce que celui qui disait le droit, c'était le Conseil de sécurité qui est dominé par les puissances. Et là, on a réussi, et progressivement, c'est jamais que 18 ans de travail, de travail très divers, dans beaucoup d'horizons, à passer du contrôle politique des textes à un contrôle juridique. C'est-à-dire que les textes restent les mêmes, pratiquement. C'est les conventions de Genève, ce sont les règles fondamentales de ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre, et qu'on appelle maintenant le droit international humanitaire. Les règles sont les mêmes. Ce qui change, c'est le procédé de sanction. Vous avez un massacre qui est très connu dans l'histoire palestinienne, c'est celui de Sabra et Shatila au Liban, Liban qu'on voit bien en difficulté ces jours-ci, qui impliquait Sharon, qui avait donné ordre à des milices libanaises d'aller massacrer les Palestiniens. Donc c'était du massacre d'homme à homme, de maison à maison, avec des corps éventrés devant les familles, enfin des horreurs absolument abominables, terroristes pour le coup, couvertes par l'armée israélienne qui assurait la sécurité pendant que les massacres avaient lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque ? Ben rien. Il y a eu une espèce de commission ministérielle qui avait sorti Sharon de Premier ministre, à la suite de laquelle Sharon était sorti Premier ministre, puis on l'avait réinscrit ensuite comme conseiller, donc il faisait la même chose. Il n'y avait pas de tribunaux, on ne pouvait pas les saisir. Et là, maintenant, on entre dans un jeu où les tribunaux existent. Donc la justice internationale, je la vois très critiquée. Moi, je vois qu'elle est très efficace. Et c'est justement parce qu'elle est efficace qu'elle est critiquée. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne comprennent pas et qui voudraient que ça aille plus vite, ça c'est une chose. Mais il y a tout un discours de discrédit qui est entretenu par les États-Unis, qui est entretenu par Israël, qui est entretenu par un certain lobby occidental, on va dire, qui dit « mais allez pas vous perdre votre temps devant les tribunaux, ça sert à rien ». C'est-à-dire que je suis le salarié, j'ai été viré, j'ai un licenciement vraiment pourri qui m'a frappé. On me dit « écoute, tu vas quand même pas aller devant le conseil de prud'homme, ça se fait pas, fais donc une pièce de théâtre, écris un poème et ça sera beaucoup plus intéressant, ça va parler à la population ». Donc non, il y a du droit. Le droit, il est là pour être appliqué et ça s'applique devant les tribunaux. Donc 2024 démarre avec une audience qui concerne Israël. Israël est convoqué devant le tribunal, c'est la première fois, ou presque. Il y a eu le précédent de 2004 sur le mur, mais sur une action de guerre comme cela, c'est la première fois. Et il se présente, voilà. Et on aura une décision. Donc la requête de l'Afrique du Sud, elle est récente, vu qu'elle est de la fin décembre, des derniers jours de décembre. L'audience, elle est déjà fixée, 11 et 12, et on aura une première décision, vraisemblablement, autour d'une dizaine de jours plus tard. C'est ce qui a été fait dans d'autres procédures. Donc, dans un délai rapide. Ouais, un délai aussi rapide, les juges ne tranchent pas le fond de l'affaire. Oui, voilà. Le fond de l'affaire sera jugé plus tard. Mais c'est une procédure urgente où le juge il doit répondre à deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a des éléments
suffisamment probant pour penser qu'un génocide est peut-être en train d'avoir lieu. Voilà. Est-ce que vous avez la conviction qu'il y a un génocide? Et deuxième question qui est liée, avec suffisamment de preuves pour vous amener à demander des mesures urgentes. Voilà. Donc les fameuses mesures conservatoires. C'est-à-dire que la preuve, c'est une preuve pour justifier les mesures urgentes. Et donc les mesures urgentes qui ont été demandées par l'Afrique du Sud et qui sont excellentes, ben c'est l'arrêt des bombardements, c'est le rétablissement de l'eau et de l'électricité, c'est le rétablissement de l'accès aux soins et donc l'arrêt du bombardement et des attaques des hôpitaux, et c'est l'arrivée de l'aide alimentaire à la charge d'Israël, qui est la puissance militaire occupante, avec un régime important qui serait de 500 camions par jour, comme ça se faisait auparavant. D'accord, donc voilà ce qui est en jeu ces audiences sur le plan juridique, mais le plan diplomatique nous intéressera aussi. Donc ce sont les mesures urgentes là, que vous citez, donc ce sont les fameuses mesures conservatoires que l'Afrique du Sud a demandé donc à la Cour internationale de justice d'examiner. Et donc l'audience publique se tiendra le 11 et le 12 janvier prochain à La Haye. Donc à l'issue de ces audiences, les juges donc pourraient donner droit à ces mesures, et comment concrètement, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre justement pour demander à Israël de cesser ces opérations-là, de rétablir l'eau. Quels sont leurs pouvoirs? Oui, ça c'est le problème de l'exécution des décisions de justice. Oui. Et c'est une règle générale en droit interne comme en droit international, que le juge ne s'occupe pas lui-même de l'exécution du jugement. Je reviens à l'exemple du prud'homme. L'employeur a été condamné à payer 20 000 euros de dommages au salarié. Si le salarié ne les réclame pas, ça en reste là. Le juge ne s'occupe pas de l'exécution. Par contre, le juge, il dit des choses d'abord. Donc, on a besoin dans la société que les textes fondamentaux soient respectés. On a besoin dans la société de savoir si les droits fondamentaux et si les textes qui fondent la paix sont respectés. La Cour internationale va le dire. Donc le premier enseignement, ça va être de lire l'ordonnance. Et est-ce que l'ordonnance dit qu'il y a, oui ou non, les éléments d'un génocide? Vous comprenez bien que c'est un tremblement de terre pour la puissance occupante qui se prépare. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on a poussé tant que l'on pouvait pour que cette procédure puisse se tenir. La deuxième chose est que des mesures conservatoires sont prises. On voit bien comment les choses se passent dans la surenchère de l'extrême droite radicalisée qui dirige Israël actuel. Ils vont dire que c'est une décision antisémite qui nie aux Israéliens la possibilité de vivre, aux Juifs de vivre sur leur terre, etc. Tout ça, c'est écrit à l'avance. Mais par contre, il y aura tout de suite une chose qui va venir, c'est celui des complices, des associés, des alliés. Je pense en particulier à la France et à l'Allemagne. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Évidemment qu'on va aller s'occuper du cas allemand qui ne pourra plus, après cette décision de justice, livrer des armes qui vont servir à un génocide. Donc j'annonce déjà tranquillement qu'avec nos amis allemands, nous préparons non pas nos armes frappantes, mais nous préparons nos armes juridiques qui sont pacifiques, mais qui sont très efficaces pour bloquer les exportations d'armes allemandes vers l'État d'Israël. Et il y aura d'autres mesures de ce type-là, donc il y aura bien une efficacité. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que le procès, on n'arrête pas un criminel par un jugement. Et en droit international, quand il y a un État avec cette puissance derrière, c'est encore plus difficile. Mais le procès se poursuit après les mesures urgentes. Après les mesures urgentes, il y a le fond, examen du fond. Et la procédure qui a été engagée va être notifiée à tous les États signataires de la Convention sur le génocide, la prévention et la sanction du génocide. Donc ça fait 140 États qui vont recevoir un mot du greffe en leur disant « voilà une procédure, toute personne qui a un différend d'interprétation, qui veut participer à ce différend d'interprétation, peut s'exprimer ». Voilà, tout État, pardon. Et il y a des précédents, vu que quand c'était pour les Rohingyas, il y a eu une vingtaine d'États qui sont intervenus. Quand c'était Russie-Ukraine, il y a eu plus de 30 États qui sont intervenus. Alors, du côté des alliés de la Palestine, ça se mobilise déjà. La Tunisie, la Jordanie, le Nicaragua, la Bolivie, le Yémen, enfin d'autres États ont déjà dit « oui, on le fera certainement le moment venu ». Mais la question se pose également pour les alliés. Parce que regardez le cas de figure
L'ordonnance dit qu'il y a bien des éléments laissant penser à un génocide, à tel point qu'il faut programmer des mesures urgentes. Qu'est-ce que va faire la France? Elle peut dire « je ne m'intéresse pas à ce litige », mais pourquoi dans ce cas elle est intervenue quand il s'agissait des Rohingyas qui sont en Birmanie, au Myanmar, ou pourquoi elle est intervenue dans Russie et Ukraine? Là, c'est son allié, Israël. La Cour de la Haye, elle est à 2 heures de train de Paris, et le crime de génocide, il est au-dessus de tous les crimes. Donc, un dossier comme cela, vous n'avez rien à dire, d'autant plus qu'on va ressortir, vu qu'on l'a bien mis de côté, le mémoire que la France avait co-signé avec le Canada et l'Allemagne dans l'affaire des Rohingyas, en expliquant tout ce que c'est que le génocide par la privation de l'eau, de l'électricité, le mauvais sort pour les enfants, les expulsions de maisons, les transferts de population. Nous, on le reprendra, le mémoire de la France, en disant « t'as juste à enlever Myanmar et puis tu mets Israël à la place, vous comprenez, voilà ». Donc, il va falloir que la France intervienne dans le procès. Et si elle intervient, eh bien, il faudra là aussi qu'elle fasse le choix. Soit elle est dans le choix de son allié, mais à ce moment-là, elle prend le risque de perdre un procès sur le génocide. Qu'est-ce qui resterait de la diplomatie française? Soit alors elle prend ses distances. Et ça va être le cas pour tous les pays. Donc, cette procédure Afrique du Sud, lancée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël, ouvre effectivement un champ juridique complet dans lequel on va parler d'une application effective du droit avec des effets marqués des décisions qui viennent et qui respectent le jeu qui est celui de la diplomatie de la vie internationale avec des États souverains qu'on ne condamne pas comme des petits voyous. C'est plus compliqué que ça, mais c'est d'une particulière efficacité. Les débats sont devant nous et on peut dire que l'année 2024 marque effectivement cet État d'Israël qui va se retrouver dans les filets de la justice. Alors, ils disent, et la France dit, et les États-Unis, mais tout ce qu'ils font, c'est parfait parce qu'ils luttent contre le terrorisme. Très bien, ben maintenant, venez l'expliquer devant les juges, les amis, tout simplement. Allons, c'est si simple, vu que c'est si simple, vu qu'on ne peut même pas en parler en France, mais allez-y devant la Cour, et puis vous verrez comment vous allez vous expliquer, alors que le terrorisme n'est pas reconnu par le statut de la Cour pénale internationale, par exemple. Et le même débat sur la légitime défense qui permet de tout faire, on verra ce qu'il en est. On se donne rendez-vous dans les jours qui suivent, quand la Cour internationale de justice se prononce. Moi, je donne ma théorie, parce que mon analyse, elle est très très partagée chez les juristes, je dirais, qui travaillent, et c'est les juristes qui travaillent, ils travaillent avec la jurisprudence. Ils ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur, ils font pas ils travaillent avec la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle dit que la légitime défense, c'est quand vous êtes dans une position passive, régulière, et donc vous êtes attaqué. Donc là, il y a légitime défense. Mais Israël, comment se fait-il qu'Israël soit en contrôlant Gaza? Parce que les puissances militaires occupantes depuis 1967 et les puissances colonisatrices depuis cette période-là. Et donc la guerre de 1967, tout le monde sait que c'était un acte illicite vu qu'ils avaient inventé à l'époque le concept de guerre préventive qu'on n'a jamais connu nulle part, qui n'a aucun statut international. Eh bien, tout se paye. En 2024, on fera juger que 1967 et cette notion de guerre préventive, elle était illicite, elle n'a pas de fondement légal, c'était une guerre d'agression. Et quand vous êtes la puissance agressante et qu'en plus vous profitez de votre agression pour conquérir du territoire et installer votre population, vous êtes en situation d'un occupant illicite et donc vous n'avez aucun droit d'évoquer la légitime défense. Vous l'avez rappelé, maître, la procédure sera longue, elle prendra des années avant que les juges ne se prononcent sur le fond. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé à la Cour de se prononcer sur des mesures conservatoires. Dans l'hypothèse d'une condamnation, donc sur le fond, après plusieurs années, quelles sanctions pourrait prendre la Cour à l'encontre d'Israël et de ses complices? Ben, écoutez, d'abord, plusieurs années, on verra. Oui, il peut y avoir un grand nombre d'États qui interviennent, mais enfin, je vois que, par exemple, sur le dossier de la Russie, où il y avait une trentaine d'États, il a mis 2 ans pour statuer. Hein. Donc, c'est pratiquement le temps d'une procédure normale. Encore une fois, ce sont des juridictions qui fonctionnent mieux et on met souvent en avant des problèmes juridiques. Il y a les petits arguties, il y a les choses pour dire c'est pas sérieux, on est toujours les plaideurs de Molière. Non, on fait un travail très sérieux, vous pouvez être sûr, et les juges qui siègent là-bas sont des grands professionnels. Donc, moi, je mettrais plutôt un délai de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que 2 ans pour la Palestine alors qu'elle est maltraitée juridiquement depuis 1917
et depuis 1948. Qu'est-ce que c'est que 2 ans? Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui vient? Ah ben, s'il vient, si c'est perdu, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Bon, donc moi, je me place dans l'hypothèse où la légitime défense n'est pas retenue et que la guerre contre le terrorisme ne permet pas de tout faire. C'est un concept du grand philosophe George Bush qui nous amène juste dans des impasses et des imbécilités et des drames. Donc, on en restera au fait qu'il y a une puissance militaire occupante et qui légitime la résistance armée et que la résistance armée doit elle-même respecter les lois de la guerre. Voilà. Donc, ça sera le débat. Si la condamnation vient, c'est l'écroulement d'une politique. C'est l'écroulement d'une politique, vu que derrière, tout va se mettre en œuvre. La CPI sera en relais et aura faire des avancées dans son jugement et que tous les pays qui sont en situation de complicité avec l'allié qui serait condamné pour génocide feront l'objet de procédures systématiques. Et puis, est-ce que, franchement, vous pouvez imposer un rapport de force? Est-ce que vous pouvez fonder un système international en disant, malgré tout, on inclut le génocide dans les normes admissibles? Vous posez la question, vous avez la réponse. Donc, on a besoin d'une chose, cette chose c'est le respect du principe d'égalité. Voilà, il faut revenir toujours à ça. Un Palestinien, il est égal à un Français, il est égal à un Israélien, il est égal à tout citoyen du monde. Il a les mêmes droits, et en particulier le droit de vivre sur sa terre, cette terre qu'il a historique. Les faits sont tels que la déclaration d'Alger de l'État de Palestine est pratiquement un abandon de la terre qui est reconnue aux Israéliens. Je le constate, c'est juridiquement établi et tout le monde se fixe là-dessus. Il reste donc un modeste territoire palestinien, mais il existe. Eh bien, les colonies n'ont plus rien à y faire, il faut qu'elles partent, Jérusalem doit être rendue, il doit y avoir la continuité territoriale et cet État doit vivre dans ses frontières. Et ça repose sur quoi? Sur l'égalité, c'est tout. Mais au nom de quoi est-ce qu'un État se permet de remettre en cause l'existence d'un autre peuple? On est où pour soutenir ça? Est-ce que les diplomaties occidentales se rendent compte du message qu'elles sont en train de faire passer? Ou qu'évidemment, le double standard est grotesque. Mais le double standard, c'est une caricature presque, et je vais le laisser de côté. Je dis, posez-vous fondamentalement la question. Pourquoi est-ce qu'un Palestinien n'a pas le droit de vivre sur sa terre? Est-ce qu'il n'est pas égal à l'autre? Donc, on se bat pour une chose, le principe d'égalité à titre individuel qui devient collectivement le droit à l'autodétermination. Donc ces questions, elles sont très fortes en Afrique, parce que toute l'Afrique, elle vient du droit à l'autodétermination qu'ils ont acquis le plus souvent par les armes et par des sacrifices considérables pour arriver à l'indépendance. Donc l'un des enjeux de cette procédure, c'est quoi? Eh bien, c'est que soit les droits fondamentaux, que je vais plutôt appeler les droits fondamentaux que les droits de l'homme, parce que l'expression devient presque galvaudée, mais on peut quand même bien l'utiliser dans votre bonne émission où il n'y a pas de piège à loup. Les droits fondamentaux, les droits de l'homme peuvent devenir une référence partagée entre l'Afrique, le monde arabe, et donc la planète, et l'Amérique du Sud qui soutient cette thèse, et le monde occidental. Mais il faut pour cela se mettre d'accord sur les mêmes conceptions et donc respecter qu'est-ce que dit le droit et qu'est-ce que c'est que cette convention sur le génocide. Si en revanche les puissances occidentales font le choix d'être condamnées par la justice, eh bien, on verra quoi? On verra que le centre de gravité des droits de l'homme, il bascule en Afrique. La terre des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. À 2 jours de l'audience, je peux me tromper sur l'analyse, on verra bien, mais je dis à 2 jours de l'audience, alors qu'il y a un rendez-vous dans les filets de la justice, c'est-à-dire équitable, devant le même juge, et qui est régulier avec une bonne procédure, et qui a un débat sur le génocide, qui est-ce qui porte les droits de l'homme? C'est l'Afrique du Sud. Donc le respect à cette terre qui défend vraiment la source profonde de notre société. L'État hébreu entend plaider non coupable et a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation. Voilà la défense d'Israël, maître. Petite réaction peut-être? Ben oui, ils s'en sont pris à je vois quand même que même dans la démesure, il reste des degrés.
parce qu'ils s'en prennent à l'Afrique du Sud en disant que c'est une diffamation sanglante, mais ils s'en prennent pas à la Cour, alors que quand c'est la Cour pénale internationale, qui dépend d'un traité, qui est indépendante du système de l'ONU, elle a d'emblée été traitée de juridiction antisémite. Donc ils viennent devant la Cour internationale de justice, ils vont déposer un argumentaire, et ils ont pris un avocat professionnel chevronné, donc il y aura un débat qui sera quand même d'un niveau autre que ce qu'on entend tous les jours sur les salades de la propagande. Mmh. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais ce que je vois, c'est que pour assurer son impunité, Israël s'est construit des appuis, les États-Unis qui bloquent tout, écoutez, les États-Unis, défenseurs des droits, ils ont même bloqué un cessez-le-feu humanitaire, il faut le dire et le redire, il faudrait commencer tous les bulletins par ça, tous les journaux. Ils ont bloqué, mis un veto sur un cessez-le-feu humanitaire, alors que les enfants sont en situation de faim, c'est-à-dire que ça a été jugé par rapport à des critères, les critères de famine. Non, ils ont bloqué, voilà, ça c'est Biden, le démocrate. Donc ça, c'est une volée. Et puis le deuxième volet, eh bien, c'est que l'acte, la pratique de cette politique de négation du droit à l'autodétermination conduit au crime. Voilà. Donc on n'est plus sur un choix politique, on est sur un choix criminel et il faut maintenant en répondre. Oui, il est peut-être bon de rappeler qu'Israël n'est pas membre de la Cour internationale de justice, tout comme les États-Unis, et sera représenté donc, dans le cas de cette plainte, du procès qui aura lieu par le juriste britannique Malcolm Shaw, qui est un spécialiste de droit international, comme quoi on peut ne pas être membre de la Cour, mais être poursuivi et inquiété par cette Cour. Alors attendez, j'apporte une petite précision, c'est-à-dire que Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Oui. Et on avait vu l'autre jour que ça ne bloque pas la procédure, vu que la Cour a jugé que ce qui compte, c'est que les crimes aient lieu sur le territoire palestinien. Mais à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU, vous dépendez de la Cour internationale de justice. Donc Israël en dépend. En revanche, ce qui se passe, c'est que certains États, sur cette convention du génocide, ont fixé une réserve en disant qu'ils ne voulaient pas la juridiction de la Cour internationale de justice. Mais à l'époque, Israël n'avait pas mis cette réserve. Donc demain et vendredi, on va débattre, mais on ne débattra pas de la compétence, parce que la compétence de la Cour internationale de justice, elle est établie. Alors par contre, il n'y a pas de juge israélien qui siège à la Cour, et donc la procédure veille, parce qu'elle est très équilibrée, cette procédure, à ce qu'il y ait un juge, ce qu'on appelle un juge ad hoc, c'est-à-dire un juge de l'État qui vient participer au débat. Et Israël a désigné son nom m'échappe à l'instant, l'ancien président de la Cour Malcolm suprême. Malcolm Shaw. Ouais, voilà. Et qui se trouve par ailleurs être un opposant des réformes que voulait faire Netanyahou. Bon, enfin, ils ont choisi cet homme. Bon, et l'Afrique du Sud a choisi un professeur de droit qui est un ancien militant de l'ANC, qui est passé par les tortures et qui a des choses à dire. Voilà, donc parce que l'Afrique du Sud n'est également pas représentée. Mais ils sont juste là pour compléter la juridiction. La juridiction, elle est dans sa formation. Et pour ce qui est de Monsieur Barak, on lui donne beaucoup de prestige quand on veut, parce que c'est lui qui a donné les suites de l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur le mur en 2004. Cet avis qui sert de référence, que vous trouvez, pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller sur le site de la Cour, on trouve tout, vous trouvez l'avis qui a été rendu, qui est très long, 80 pages, avec beaucoup de précision, vous trouvez tous les mémoires qui ont été déposées, et donc qui condamnait clairement le mur, et d'ailleurs qui avait rejeté la notion de légitime défense déjà, en disant, mais vous êtes puissance militaire occupante, vous ne pouvez quand même pas invoquer la légitime défense, ça avait été jugé à l'époque. Et c'était Monsieur Barak, ce juge, qui était président de la Cour suprême. Et au lieu d'appliquer la décision de la Cour, il s'est efforcé de trouver des arguties pour dire que la Cour avait tout faux. Ils ont réécrit le droit international comme ils le font. Par exemple, on a actuellement la question des prisonniers, c'est-à-dire des combattants qui ont été arrêtés. Il y en a 700 qui ont été arrêtés. Ben, c'était des combattants, les armes à la main. Donc, ils ont le statut de prisonniers de guerre, même si c'était des combattants des groupes armés résistants. Ben, non, pas du tout. Israël a créé un statut spécial avec la loi sur les combattants illégaux, qui n'a aucune valeur en droit international, que la Cour internationale de justice a toujours dit
que les combattants illégaux, ça n'existe pas, sauf si c'est à titre individuel. Bon, ça, c'est un fait d'arme. Mais du moment que c'est une armée organisée, groupe informel dans la résistance, eh bien, ils sont prisonniers de guerre. Ben, Israël dit non, moi, je fais ma loi particulière, et des gens comme Barak ont tout à fait légitimé cette facilité de créer un droit alternatif, moi ce que j'appellerais un droit international domestique, c'est-à-dire que je mets des petits soupçons de droit international pour parfumer une loi qui est uniquement conforme à mes intérêts, voilà. Donc les juges sont courtois, mais sur le fond, je pense pas qu'ils réservent un accueil particulièrement intéressé aux explications de M. Barak, parce que au lieu d'appliquer l'arrêt de 2004, il a dit en substance que les juges de 2004 étaient bien gentils, mais qu'ils étaient incompétents et que c'était à lui de réécrire la justice internationale. Voilà où nous en sommes. Et encore une fois, je suis très heureux qu'on puisse enfin rentrer dans un processus juridique. Ça va d'ailleurs simplifier nos débats en France, parce que et dans d'autres pays, vu que dans un débat, eh bien, il y aura le débat, et chacun gardera ses opinions, mais il y aura la part pour le droit, voilà, qui va être rappelée. Et notamment, est-ce qu'il y a une occupation militaire ou non? Est-ce qu'il y a une légitime défense ou non? Et des questions de ce type-là. Oui. Alors, une dernière question, Maître De Vert, pour notre parfaite compréhension. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, la Cour internationale de justice est très efficace. La plainte a été déposée le 29 décembre dernier. Il y a déjà deux audiences, donc le 11 et le 12 janvier prochain. Alors, vous, votre plainte, vous l'avez déposée devant la Cour pénale internationale. Quelle est la différence entre les deux cours? Mais la Cour internationale de justice, c'est la juridiction de l'ONU, c'est-à-dire c'est elle qui juge les différends entre les États. Et il faut être un État pour accéder à la Cour internationale de justice, et il y a beaucoup de règles vu que les États sont souverains, donc il y a des procédures un peu particulières d'agrément. Bon, et il faut notamment avoir accepté la juridiction, ce qui est le cas des deux États dans cette affaire. La CPI, elle est indépendante, la Cour pénale internationale. Elle résulte d'un traité, qui est un traité de Rome de 1998, et elle a été mise en place en 2002, donc elle a une vingtaine d'années, donc elle est récente, hein, pour une juridiction, et elle dépend de l'Assemblée générale des États parties, qui sont 130 à ce jour. Donc indépendant de l'ONU, et plusieurs grands États n'en font pas partie, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie, et beaucoup d'autres. Mais il y a quand même 140 États qui en font partie, et elle a une compétence qui est uniquement pénale, c'est-à-dire qu'on ne juge plus les États, on juge les personnes. Donc c'est pour ça que le mandat d'arrêt ne peut pas être prononcé par la Cour internationale de justice, mais qu'il peut être prononcé uniquement par la Cour pénale internationale. Et la compétence donc a été réglée en disant que la Cour, elle est là pour protéger, et que quand un État se place sous la protection de la Cour, il engage aussi sa responsabilité, parce que les Palestiniens qui auraient commis des crimes, par exemple les crimes qui sont reprochés pour le 7 octobre, ils entrent dans la compétence de la Cour, et donc les responsables peuvent être jugés, mais c'est surtout un droit de protection, c'est-à-dire que je place mon territoire sous la protection de la Cour, et quiconque vient m'agresser, qu'il ait ratifié ou non le traité, il est sujet à la procédure pénale devant la juridiction qu'est la Cour pénale internationale. Parfait, merci infiniment pour cette clarification. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation, Maître. On reste en contact, bien sûr, les prochaines audiences. Hein, c'est le 11 et le 12 janvier prochain à La Haye. Les juges auront à examiner donc les mesures conservatoires qui ont été demandées par l'Afrique du Sud dans le cadre de la plainte qui a été déposée contre Israël pour génocide à Gaza. J'espère que nous aurons l'occasion de commenter, en fait, finalement, ces débats, les débats qui auront lieu au cours de ces audiences prochaines. Merci encore, Maître De Vert. Merci à vous.